Dans une maison à Carpentras, il y avait deux locataires. Une dame en haut, un homme en bas, tous deux célibataires. La dame du dessus n'avait pas de sous. Monsieur du dessous était cossu. La dame aimait le monsieur du dessous. Mais lui, jamais ne s'en aperçut. La pauvre femme désespérée voulut se jeter dans sa baignoire. Mais la baignoire a débordé et l'eau coula dans les couloirs. Quand l'eau du dessus parvint en dessous, sa mille dessous sans dessous dessus. En voyant ça, le monsieur du dessous grimpa vite chez la dame du dessus. Voilà l'histoire sans dessous dessus, dessus, dessus. La dame du dessus et du monsieur du dessous. Elle l'accueillit rempli d'émoi et lui dit « Je vous aime ». Il répondit « Prouvez-le-moi, madame, à l'instant même ». La dame du dessus prit l'air en dessous. Monsieur du dessous loucha dessus. La dame du dessus ôta ses dessous. Monsieur du dessous sans par-dessus. Et tout à coup, prenant les devants, sans plus s'attarder en arrière, il l'entraîna sur le divan, en éteignant toutes les lumières. La dame du dessus, sans dessus dessous, ne semblait pas être déçue. Et finalement, le monsieur du dessous devint l'amant de la dame du dessus. Voilà l'histoire sans dessous dessous, dessous dessous, de la dame du dessus et du monsieur du dessous. Elle dépensa tout son magot, car elle était coquette, et lui son bras dans le fernot pour oublier ses dettes. La dame du dessus voulait en dessous, pour tous les dessous qu'elle se mettait dessus. C'est ridicule, car bon matin qu'il était sous, monsieur du dessous lui tomba dessus. Et dans un geste théâtral, il la jeta par la fenêtre. Ah, c'était son droit, mais c'est brutal, il faut quand même le reconnaître. La dame du dessus, une fois en dessous, ne voulut plus remonter au-dessus. Maintenant c'est elle qui vit en dessous, et le gars du dessous qui vit au-dessus. Et ça finit sur le dessus-dessous, dessous-dessous. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. Faites trop plus de bon ménage, plus d'issue.